Des tronçons entiers de 18 mètres, prêts à poser. Hey, tu fais juste attention au piqué, c'est tout. Hein. Une opération délicate, presque chirurgicale. Travail de précision au raccordement surtout. Et puis travail de précision en hauteur, parce que si on est beaucoup trop haut, on ne peut pas redescendre la voie après. Sans ces travaux d'urgence, la ligne de fret entre Niort et Parthenay aurait été fermée à l'exploitation. Depuis avril, SNCF Réseau rénove les rails pour y maintenir son activité économique. Il y a deux chargeurs sur l'itinéraire, Kléber-Moreau avec un tonnage de 350 000 tonnes par an et Amaltis avec un tonnage d'environ 20 000 tonnes par an. Coût total de l'opération, plus de 8 millions d'euros. Le conseil régional Nouvelle-Aquitaine en a pris la moitié à sa charge. Il compte ensuite trouver des financements pour réouvrir cette ligne entre Parthenay et Thouars, une voie fermée depuis 2015 pour vétusté. Bien sûr, c'est le souhait, puisque ça ne vaut que si l'ensemble de la ligne fonctionne. C'est-à-dire qu'à la fois dans les itinérances et dans les différents trajets, sinon on fait des boucles insupportables et qui vont coûter très 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 cher. Donc il faut que les 77 km soient ouverts. La première phase de travaux, elle, se termine mi-juin. Les trains de marchandises pourront à nouveau circuler entre Niort et Parthenay dès le début de l'été.